Eh bien, salut tout le monde, les gens, c'est Jefferson Durant, mais plutôt Jeff, hein, pour les intimes. Voilà, c'est Jeff. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et qui dit nouvelle vidéo dit un nouveau projet. Et ce projet va arriver bientôt. Car, comme vous savez, pour ceux qui habitent en France, hein, voilà, les casquettes ne me montent pas. Je suis en train de voir que les casquettes ne me montent pas. Donc ça commence vraiment à me faire chier, tu vois, quand les casquettes ne me vont pas, et ben voilà, mon gars. Donc, voilà, donc qui dit nouvelle vidéo dit nouveau projet. Et ce nouveau projet, je vais vous l'expliquer maintenant, tout de suite, right now. Alors ce nouveau projet, vous inquiétez pas, la vidéo va arriver après, mais petite minute, voilà, qui est déjà passée. Petit nouveau projet qui va arriver bientôt. Pendant 5 jours, je ne vais pas être chez moi, je vais être chez mes grands-parents. Donc, je vais faire des vidéos, beaucoup plus de vidéos, donc 2 vidéos par jour. Je crois, 2 vidéos par semaine. Et donc, voilà. Donc voilà, c'est le petit projet que je voulais vous dire. Je ne vous en dis pas plus pour vous garder la surprise, parce que je suis sûr que ça va vous plaire. Depuis le temps que vous attendez cette petite vidéo, on va dire. Donc, voilà, comme m'a dit... de Coca-Cola zéro. Et donc voilà. Donc sur ce, passons à la vidéo. La vidéo se boit très frais, comme vous voyez là. Se boit très frais là. Et oui, donc comme vous le voyez. Je me suis un petit peu coupé les cheveux, donc c'est pour ça que je mets un petit bonnet. Et pour ceux qui n'ont pas vu au début de vidéo, voilà, je me suis coupé les cheveux. Je me suis coupé les cheveux. Et j'ai marqué 2 ou 3 trucs quand on va se faire couper les cheveux. Donc, cette vidéo va être sur les coiffeurs. Donc, en préférence, tous les coiffeurs du monde. Hein, parce que tout le monde va chez le coiffeur, bien sûr. Enfin, si tu vas pas chez le coiffeur, c'est que tu as les cheveux pires que Dragon Ball Z. Voilà. Donc. C'est parti, on commence avec ce nouveau podcast sur les coiffeurs. Qu'est-ce que vous voulez, mon petit gars? Qu'est-ce que vous voulez? On commence tout de suite avec ce bois très frais. Et donc, j'ai remarqué un truc chez les coiffeurs. Donc, je vais citer 5 trucs qui me chagrinent un peu chez les coiffeurs. Voilà, donc, premier truc, quand tu arrives dans la salle, tu vas dans la salle d'attente, bien sûr. Et il y a cette petite odeur qui te dit mes cheveux vont passer à la charcuterie. Charcuterie. Voilà, charcuterie. Parce que ça pue la mort, ça pue les cheveux pourris, mon gars. Alors, moi, quand je sens cette odeur, je me dis je me taille. Bon bail, mon sauce, bon bail, bon bail, bon bail. Voilà, je me casse, je me casse. Calice, comme dit une fille, je me calice, voilà, je m'en bats les couilles, je dégage d'ici, ok, je dégage d'ici, j'ai pas envie de rester dans ce putain d'endroit où il y a la puanteur de cheveux, non, non, désolé, désolé, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, ah, cassos, cassos, caray, caray. Deuxième truc, et ouais, deuxième truc qui me chagrine, c'est... Toutes les places sont occupées, donc tu es obligé de rester pendant 1 heure debout. Et oui. Et moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais juste à côté d'une femme qui se faisait. D'un homme qui se faisait couper les cheveux. Donc, comme il n'y avait plus de place sur les sièges, bah, j'étais debout. Et là, ce connard me coupe les cheveux, lui coupe les cheveux, et ça atterrit sur ma chaussure. Et le mec, il a qu'à ma chaussure, il me regarde après, il fait. Tu refais plus jamais ça. Tu refais plus jamais ça devant moi. Tu ne rigoles pas devant moi quand tu fais ça, ok? Moi, je te casse la gueule. La prochaine fois que tu fais ça, je te casse la gueule. Je te prends ton rasoir. Hop là, je te coupe les poils de couilles et je te les fais bouffer par le nez, par les yeux, par la bouche, par les oreilles, par ton trou de balle, mec. Est-ce que t'as compris? Je suis un psychopathe dans ma tête, moi, ok? Pas que je suis ok, bien. Voilà, mon gars. Bien, je me suis pété le bras en faisant ça. Mais c'est bon, c'est pas grave. Wow! Une fois que tu fais ça, mec, je te casse la gueule. Ok.
Troisième truc, les gens, troisième truc, parce que j'en ai marre. Voilà, troisième truc. T'es enfin assis, t'es posé. On te met la petite pelouse de avocat, comme moi je l'appelle, hein, voilà, parce que je me prends toujours pour un avocat. On met le petit truc, la petite serviette et tout. Mais ce qui me chagrine, je sais pas si ça vous arrive, je sais pas si cette sensation vous arrive, mais en tout cas, moi j'ai toujours eu de l'eau là qui coulait là, et là franchement, mais ça j'ai juste envie de faire un truc quand elle fait ça, de prendre le jet et le mettre dans la gueule, de le mettre dans la gueule à la coiffeuse. Non mais attendez, moi c'est le pire truc qui me dérange. Moi j'arrive pas à rester comme ça, couché, et à l'autre qui me passe dessus comme ça. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est ma top. Ouais, ok, j'aime pas ça. C'est comme toi, t'aimes pas sucer des bites. Bah voilà, moi j'aime pas l'eau qui coule dans le cou. Voilà mon gars, ok. J'aime bien chez moi. Pardon. Quatrième truc. Voilà, quatrième. Quatrième culte chanerie, c'est quand on en vient enfin à la coupeur de cheveux. Et là, je ne sais pas quelle taille choisir. Je ne sais pas. Tu veux 4, tu veux 2, tu veux 3, tu veux 1, tu veux 0. Ouais, ok, ça me dérange plus que tout. Car je sais jamais, je me fais couper les cheveux un mois avant et je sais plus comment je me suis fait couper les cheveux la dernière fois. Donc, à l'arrache, comme pour cette coupure, j'ai dit 2 ici et 4 sur le dessus. Et la meuf, elle a rien compris. Elle a mis 4 ici et 2 dessus. Non, je plaisante. Non, elle a bien mis 2. Elle a bien mis 4 là. Mais c'est comme elle a laissé un petit bout là. Vous voyez? Un tout petit bout. Et donc voilà, ça me fait chier un peu parce que le petit bout, j'ai été obligé de le couper parce qu'en fait, ça fait moche. Ça fait moche. Alors que l'autre, elle m'a pas laissé là. Voilà, et là ça fait moche, ça fait un truc là qui redescend un petit peu. Et voilà, ça fait moche, ça fait super moche. Donc c'est pour ça que je mets un petit bonnet qui fait swag un peu. Parce que voilà, je suis obligé de mettre un petit bonnet, hein, parce que sinon après, voilà quoi. Après c'est la loose, hein. La petite pause coca. Voilà, donc, on va passer à la dernière chose. Je suis sûr que ça arrive à tout le monde. Cinquième chose. Les cheveux. Et oui, quand tu t'es coupé les cheveux, ça va partout sur ton corps. Et moi, ce que j'aime pas, c'est quand ça reste collé. Les cheveux, ils restent collés à les oreilles pendant qu'elle me coupe les cheveux. Et ça me fait déguiller, mon gars. J'ai envie de prendre une putain de merde. Non, le pire, c'est quand tu ressors de la coiffeuse et t'as toujours des poils qui sont dissimulés en dessous de tes t-shirts et ton blouson. Et ça te pique à mort. Ça te pique à mort. Ouais, mon gars, ça te pique à mort. Voilà, moi je... J'arrive pas à ne pas me frotter partout. Donc, on dirait un cassos qui aime bien se toucher le corps et tout. Non, c'est juste que j'ai des cheveux partout dans le cou. Hein, on va pas se cacher. Hein, excuse-moi. C'était fait exprès. Et donc, voilà les gens, c'est fini pour cette vidéo. Je sais, c'est pas une vidéo normale. J'ai fait un petit peu le couillon sur cette vidéo. Mais voilà, c'est les vacances. En plus, c'est un nouveau projet qui va arriver dans. 5 jours, voilà. Donc je suis 5 jours chez mes grands-parents et ça va arriver bientôt. Et donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo à l'arrache sur les coiffeurs. Mais je suis sûr que vous avez connu ça, vous, cette petite chose, chez le coiffeur. Donc voilà, sur ce, c'était Jeff. Ne vous exhibez pas. Hein. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit like aussi, ça pourrait expander le plaisir. Extrêmement plaisir. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour voir quelles des 5 choses vous aimez pas chez les coiffeurs. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Jefferson Durand pour Facebook, Jeff Durand 86 pour Skype, Jeff Durand 86 pour Vine et Jeffy Durand 86 pour Twitter. Voilà, sur ce, c'était Jeff et je vous dis ciao.